Bonsoir. Le regard que portent les enfants sur leurs parents est parfois très amusant. Tous comprennent très bien que leurs parents s'aiment, lorsque c'est le cas. Mais de là, imaginer que leurs parents pourraient avoir une vie après minuit, là, cela leur paraît presque impossible, improbable, impensable même. Alors, bon père, qui serait l'amant de ma meilleure amie, impossible, horrible, c'est ce soir. L'histoire de Laure, son histoire ce soir, ça va savoir Laure. Bonsoir Laure. Bonsoir. Laure, vous avez 24 ans. Oui. Et vous vivez une histoire qui n'est pas totalement banale. Vous vivez une histoire d'amour. Oui. L'histoire d'une rencontre. Ce qui est difficile, c'est que cette histoire ne peut pas rester secrète trop longtemps. Ouais. Vous voulez bien nous raconter cette histoire ? Eh bien, voilà. J'ai une amie qui s'appelle Véronique. Je la connais depuis très longtemps. J'ai passé toute mon adolescence avec elle. Tout va bien jusque maintenant. Bon, on s'entend très bien. On est très complices. Donc, j'allais souvent chez elle. Ouais. On allait aussi en vacances ensemble. Elle venait chez moi à l'improviste. J'allais chez elle également. Et puis voilà. Bon, un jour, je suis d'ailleurs passée chez elle. Elle n'était pas là. Elle était partie avec sa maman. Et bon, je suis tombée sur son père. Je me suis toujours bien entendue avec lui, ouais. Donc on a discuté. Bon, je l'ai un peu réconforté puisqu'il n'allait pas bien. Ce qu'il y a, c'est qu'il me connaît aussi très bien vu que j'ai grandi avec sa fille. Il me voyait presque tous les jours chez lui. Donc on était à l'aise, il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Ouais, donc il vous parle de lui, il vous parle d'une difficulté peut-être un peu passagère de vivre. Oui, il n'allait pas très bien parce que ça n'allait pas avec sa femme. Ouais. Ils ne s'entendent plus, je veux dire, il n'avait plus de sentiments pour elle, il m'en a parlé. Il vous en parle ? Il m'en a parlé, oui, parce que ouais. Ça n'allait plus du tout. Alors de là, bon, les affinités se sont créées. Ce que vous nous racontez, c'est que vous nous dites, il a commencé à me dire que ça n'allait plus très bien entre lui et sa femme, ça veut dire que déjà dans votre histoire, vous tentez de vous trouver des bonnes raisons à ce qui va venir, c'est ça ? Oui, parce que je dois annoncer à ma meilleure amie que je suis avec son père. Pardon ? Oui, je dois donc lui dire que je suis avec lui, ça va faire un an. Un an ? Un an, oui. Vous voulez dire que vous, à 24 ans, vous avez une aventure avec un homme non seulement marié, mais avec un homme qui pourrait être facilement votre père, puisque c'est le père de votre meilleure amie. Oui, je le sais, mais je ne l'ai pas commandé, ça s'est fait tout seul. Ça s'est fait tout seul, j'ai jamais voulu que ça... Ça ne se fait pas tout seul. Ça se fait parce que et l'un et l'autre le souhaitent. L'un, je peux le comprendre, mais vous, pardonnez-moi, mais... On a du mal à comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'une jeune fille. Je sais que ça peut être difficile à accepter ou à comprendre, parce que bon, c'est pas quelque chose de très courant. Mais bon, c'est arrivé, moi j'y peux rien, c'est comme ça. Je peux pas contrôler mes sentiments, ni lui d'ailleurs ne peut pas contrôler les siens. Vous parlez de sentiments ou vous parlez de... D'amour. D'amour ? D'amour, oui. Je suis amoureuse de lui. Il s'est d'ailleurs disputé avec sa femme. Il est venu habiter chez moi à la maison, il y a une semaine de ça. Il est venu s'installer chez moi. Là maintenant ? Oui. Parce que ça n'allait plus avec sa femme. Bon, ils ont une grosse dispute. Puis il est venu chez moi. Et un soir, justement, Véro a voulu passer à l'improviste. Chez vous ? Oui. Oh là là. Et il se trouve qu'il était là. J'ai pas pu lui ouvrir la porte. Ah bah oui, ça j'imagine, c'est un peu gênant quand même. Et je savais pas quoi lui dire parce que c'était pas prévu du tout. Donc je l'ai pas fait rentrer. Et j'ai pas su lui donner d'explication. Ce qui fait que maintenant, bon, ça fait une semaine que je l'évite un petit peu parce que je sais pas quoi lui dire et elle me fait la gueule. J'imagine, oui. Et voilà, donc je l'ai appelé ce soir pour en discuter et pour lui avouer que je suis avec son père. Vous êtes là pour dire la vérité à votre amie. Elle s'appelle Véronique. Véronique ! Véronique !
Véronique, bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez 24 ans, tout comme votre meilleur ami. Vous connaissez depuis une douzaine d'années, je crois. Ouais. Vous savez tout l'une de l'autre. Ben oui, je pense. Vous êtes déjà tout raconté des centaines de fois, ouais, des milliers moi. De fois, ouais. Au téléphone, de vive voix. Oui, souvent au téléphone, surtout. Ouais. Ouais. Et pourtant, Véronique, et pourtant, vous ne savez pas tout. Vous ne savez peut-être pas l'essentiel de la vie de l'or, l'essentiel que l'or vous cache et vous dissimule depuis assez longtemps. Et... Enfin, on ne va peut-être pas tout vous dire d'un coup. Mais Laure, est-ce que vous pourriez expliquer à Véronique ce qui vous amène en voilà. partie? Donc, il y a une semaine de ça, t'es venue chez moi. Ouais. Enfin, t'as essayé. Ouais, j'ai moi. Essayé, c'est sûr. Mais j'ai pas su te faire rentrer. Il y a une raison à ça. Donc, il y avait quelqu'un chez moi. Quelqu'un chez moi. Et je savais pas trop comment t'allais réagir. Mm-hmm. Donc. Et quoi, donc, quelqu'un, un mec Bah je suppose. Oui. C'est pas mon mec, non. Non, non. Non, mais il se trouve que bon, il est assez âgé. Mm-hmm. Donc je savais pas trop comment t'allais réagir. Et quoi, c'est une histoire réelle? Tu sors avec quelqu'un ou... Oui, je suis avec lui. Et pourquoi tu me le présentes pas? Enfin, je sais pas, je trouve ça cool, ça fait longtemps. Bah oui. Ça fait longtemps, ça fait pratiquement un an. La question que mais nous tentions de poser alors, et peut-être que vous pourriez nous apporter une réponse, parce que nous sommes pour l'instant assez... Mais je suis assez étonnée quand même. Étonnée, nous oui, aussi. Je comprends pas. Comment ouais, peut-on, laquelle, à votre âge, ouais. sortir ou vivre ou avoir une aventure avec une personne, disons, d'un certain âge, qui pourrait avoir l'âge de vos papas ou... C'est possible, vous croyez? Mais écoutez, moi, Laure, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît, j'attends que ça, qu'elle soit heureuse. Si elle est bien avec ce type, bon, c'est génial pour toi. Je suis... ouais, vous, ça ne vous mais... dérangerait pas sur non, le principe. Non, ça ne me dérange pas du tout, non. Mais j'ai un peu... Mais j'avais peur de ton oui. jugement, justement, mais voir. C'est bizarre, tu m'as raconté des histoires. La semaine passée, tu étais encore au ciné avec Antoine. Enfin, tu sors en boîte régulièrement avec des gars et tout. Enfin, ça fait un an, c'est bizarre. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Enfin, je ne comprends pas. Mais je ne savais pas comment tu allais réagir. Mais quoi, il est si vieux que ça? Il a 70 ans? Non, il a quel âge? Il a 49 ans. Mais ça va, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, ouais. Ça fait quand même 25 ans, puisque toi, mais enfin, ça va. C'est, ouais, c'est pas mal, mais bon... Ah bah, c'est pas mal, quand même. C'est un peu beaucoup, mais bon. Ouais. Mais je savais... Mais t'es heureuse, au moins, je sais pas. Ouais, je suis bien. Mais c'est je génial. Amoureuse, mais je suis... c'est génial, enfin, et quoi, fallait me le dire. Bah, enfin, je comprends pas, franchement. Pourquoi tu... Mais je sais, mais c'est pour ça, je voulais te le dire ce soir, parce que bon, ça fait quand même une semaine que tu me fais la gueule. Excuse-moi, je viens chez toi, tu dis écoute, non, je peux pas te voir, salut, excuse-moi. Non. Oui, mais j'allais pas te l'annoncer comme ça du jour au lendemain. J'y ai bien réfléchi. Et maintenant, bon, voilà, j'en profite ce soir pour te dire donc que c'est parce que j'étais avec quelqu'un. D'accord. Ouais. Et que ça n'a rien à voir, je te fais pas la gueule du tout. Bah, tant mieux. Toujours ma meilleure simplement, amie. Simplement, Laure était dans une situation, on va dire, embarrassante. Hein. Voilà, une situation très embarrassante et elle a souhaité que vous soyez ici ce soir pour vous dire la vérité. Et comme elle ne savait pas comment vous le dire, elle nous a suggéré peut-être, Véronique, de vous le montrer. De me le montrer, ouais. Bon. Vous voulez bien le faire venir? Merci. Non, je crois pas que ça va. Tu vas pas me dire que c'est toi quand même? C'est ton père. Oui, non, ça je sais bien que c'est mon père, mais qu'est-ce que tu fous là? Franchement. T'as expliqué? Non, qu'est-ce que tu fous là? C'est une blague. Vous me faites une blague en fait, c'est ça? Non ben non, non, mais non, Véronique, c'est pas une blague. Non, c'est pas une blague, c'est embarrassant. Non, c'est embarrassant surtout qu'il s'est barré il y a une semaine de la maison quoi. Enfin, faut pas se foutre la gueule du monde. T'as pensé à maman quand même? Allez, c'est. Enfin, Véro, là, oui. Avec ta mère, c'est fini depuis des années. Non, oui, mais c'est... Il n'y a plus rien. Et alors, tu vas taper ma mère? J'avais beaucoup de... Jean-Pierre, d'abord, merci d'avoir répondu à notre invitation. Jean-Pierre, vous êtes restaurateur, vous êtes marié, Véronique est votre fille, et Véronique a une amie qui s'appelle Laure, et vous êtes rencontrés il y a un an, et Laure souhaitait dire la vérité à Véronique, et la vérité, c'est vous. Merci papa, quoi.
T'as rien trouvé d'autre à faire. Enfin, je sais pas, il y a quand même 3 milliards de bonnes femmes sur Terre et tu tapes ma meilleure amie, merde, quoi. Depuis que je connais, je ne tape pas ta meilleure amie. Je ne tape pas ta meilleure amie. Sans prix, si c'est ta meilleure amie. Tu te tapes pas, tu fais quoi avec elle? Si c'est ta meilleure amie, tu dois bien savoir. Mais c'est ma meilleure amie, c'est ma sœur quand même. Si c'est ta meilleure amie, tu dois bien lui faire confiance. Non, je suis désolée. Allez, ça fait 15 ans qu'elle vient à la maison, qu'elle parle. Écoute, Véro, écoute, Véro. C'est tout de moi et tout, et vous couchez ensemble. Écoute, écoute-moi, je t'en prie. Écoute-moi. Laure n'est pas ma maîtresse. C'est la deuxième femme de ma vie, Laure. Ah ouais, super, quoi. C'est la deuxième femme de ma vie. Tu crois que ça s'est fait comme ça? Merde. Enfin, quoi? Tu la connais mieux que moi, Laure. Bah oui, tu sais bien qu'elle a eu des tas de problèmes. C'est un problème, quoi. Enfin, tu racontes quoi, mon père? Tu vas lui raconter toutes nos histoires, alors? Merde, quoi. Mais pas du tout. Non, mais non, pas du tout. Papa, ça va, un curieux comme ça. Tu sais bien qu'elle a des problèmes, Laure. Écoute, tu vas sauter sur l'occasion. Écoute, c'est bon, c'est vrai. Il y a longtemps que je. Tu sais que ça n'allait pas avec ta mère, tu le sais. Ouais, mais pourquoi tu tapes mon père? C'est ça que je comprends pas. Mais je me le tape pas. Je me le tape pas. Excusez-moi. Mais vous faites quoi c'est ensemble parce... non, vous regardez dans mon yeux, on est bien tous les deux, ouais, super quoi. C'est parce qu'il y a des sentiments. L'amour et s'aimer, ce n'est pas se taper l'or. Ce n'est pas se taper l'or. Je me tape pas l'or. J'ai horreur de cette expression. Je t'ai dit que c'est la deuxième femme de ma vie. Tant mieux, tu la connais plus, ouais, c'est bien. Mais alors, Jean-Pierre, vous voulez dire, on vous écoute avec attention, vous voulez dire que vos sentiments vont jusqu'à vouloir faire votre vie avec elle? Vous pensez que c'est bien? Mais bien que c'est ce que vous souhaitez? Bien entendu, mais je suis depuis un an avec elle. Est-ce que les gens, la famille, tout ça, va penser de toi? Mais je ne fais que ça penser à vous. Mais c'est dégueulasse. Et ses parents, ils pensent quoi de toi? Tu sais pourquoi je ne sais pas? C'est répugnant. Ils ont confiance en toi, ses parents. Combien de fois elle est venue à la maison et toi... Ah non, c'est pernicieux, c'est dégueulasse. Elle n'a jamais été si heureuse que depuis un an, alors. Dis-lui que tu es heureuse. Dis-lui que tu es heureuse. Moi aussi, d'ailleurs, je n'ai jamais été si heureux. Écoute, tu sais bien que j'ai eu des problèmes. Ce que je voulais, c'était ton bonheur. Tu le sais très bien. Mais pas avec mon père. Mais non, quoi, mais non. Écoute, ça, tu sais, non. Tu sais, je t'ai déjà parlé de tous mes mecs. Tu sais comment ça se passait. Ça finissait toujours chaque mal. Ils me respectaient pas. Ton père, c'est le seul qui. Il ne pense qu'à coucher. Les gars de son âge. Mais pas vous, Jean-Pierre. Il ne pense qu'à coucher. Ouais. Jean-Pierre. Oui. Jean-Pierre, et vous n'avez pas de vie personnelle avec. Si, mais. Parce que ce qui maman, lui convient. Il a des bonnes envies quand même, hein, franchement. Ouais. Ce qu'il doit entre avoir des envies et conclure ces deux. Voilà. Ouais, bah au moins, je sais problème, me tenir façon, à mon âge. Savoir, je sais me tenir alors que tous les gamins de son âge, bon. Faut que tu je sais bien, elle ne fait que me parler de ses problèmes. Toi aussi, tu m'as parlé de ses problèmes. Ça aurait pas mais vous pouvez moi. Pas parler de vos problèmes sans coucher ensemble, non, franchement. Et l'amour, ça se commande, tu crois? Ça se commande, l'amour. Mais c'est dégueulasse. Ça ne se commande pas. Mais, allez, ça ne se commande non, pas. Non, je suis désolée. Tout comme l'amour avec ta mère. C'est terminé. Ça ne se commande pas. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, il a duré 25 ans. C'est formidable. Je souhaite à tout le monde d'avoir un amour de 25 ans. Essaye comme de j'ai eu avec ta mère. Bah, il se termine vachement bien, ton bel amour de 25 ans. T'as vu comment tu fous la merde? Mais ça, tu te barres avec ma meilleure amie. Moi, ça me dégoûte. Je suis désolée. Mais je suis obligée d'écouter. Franchement. Tu devrais être contente, au contraire. Tu devrais être contente. C'est ta meilleure amie. Tu vas la voir. Tu mais c'est mon amie. C'est pas la tienne. C'est ça le problème. Je veux dire. Non. Jean-Pierre, qu'est-ce que vous pourriez dire ce soir pour tenter de... Rien. Moi, je veux plus le voir, quoi. C'est bon. Bien quoi. Sûr que je vais lui répondre. Mais essayez alors. Soyez convaincant. Dites-lui. Non, mais tu te comportes comme une fille unique, comme une gâtée pourrie. C'est ma fille préférée. C'est ma chérie. C'est ma petite chérie. Donc elle était très. Si, j'étais trop papa poule avec toi, donc il y a un peu de jalousie. Il n'y a plus aucune intimité, c'est ça le problème. Tu as brisé mon intimité. Tu rentres dans ma vie privée, tu viens. Et... Mais au contraire, c'est toi qui rentres. Ça me dégoûte. T'es toujours ma meilleure amie, je veux dire. Non, mais toi, t'es plus moi. Ma meilleure amie. Excuse-moi, mais c'était. Tu sais bien, en plus, la relation que j'ai avec mon père, c'est mon héros, c'est tout. Enfin, c'était mon héros. Voilà, tu lui as répété aussi. Non, tu lui répètes depuis longtemps ça. Avec du recul, tu vas essayer de comprendre. Non, je peux pas essayer. Non, je suis désolée, c'est dégueulasse. Mets-toi à ma place. Si moi je couchais avec ton père, tu prendrais comment? Franchement. Mais écoute ça. Et si j'ai de l'amour, elle a même pas un cas des parents. Ça me dégoûte, je veux pas. Et si c'est de l'amour, ça me rend malade, c'est dégueulasse. Non, si c'est de l'amour, ça ne doit pas te dégoûter. Écoute, voilà. Comment j'aurais réagi si c'était mon père? Au début, évidemment, j'aurais réagi comme toi. Excuse-moi. J'aurais réagi. En plus, je trouve ça cool, tu vois. On n'est pas tout seul, on a pu régler ça en famille quand même, franchement, merci. Mais avec du recul, je t'assure, tu vas t'y faire. Mais bien sûr. Non, je ne vais pas si m'y faire. Si je t'avais dit ça au bout d'un mois. Je ne vais pas m'y faire, quoi. C'est même pas la peine. Je veux dire, des amis, j'en ai d'autres, j'ai pas besoin de toi pour vivre, toi, papa, non plus. Mais si tu as besoin de nous, tu es toujours mais avec Laure. La seule chose que je vous demande de prendre en compte, la seule chose que moi, ou que nous, nous permettons de vous demander de prendre en compte, c'est que Laure est venue vous dire la vérité. Et que. Elle en avait assez, et j'imagine que vous aussi, Jean-Pierre, de vous cacher, de dissimuler, même si ce n'est pas toujours facile à dire. Vous avez préféré affronter les lumières et dire la vérité. Je comprends un peu le sentiment que vous éprouvez, Véronique. Jean-Pierre, vous n'êtes pas très convaincant dans le rôle d'un monsieur qui devrait assumer son avenir et expliquer pourquoi il part avec la,
la copine de sa fille. Mais on comprend aussi que vous êtes peut-être sincère et peut-être que vous aurez du bonheur. Merci à vous trois. C'est maintenant l'heure des questions et réactions du public. Bah, je trouve, c'est vrai que c'est quand même assez délicat pour le père et la fille, mais peut-être à long terme, ça pourrait peut-être s'arranger, mais je ne sais pas si moi je serais dans le cas, je ne sais pas si j'espère je le ferais. J'espère que ça va s'arranger vraiment, parce que, je veux dire, je l'adore, c'est comme ma sœur et je... Oh, mais elle te l'a dit, je crois qu'elle t'adore, mais elle t'adore plus maintenant, je crois. Il ne faut pas exagérer, quoi. Enfin... Mais j'espère que ça va passer, je peux... Tu rêves. Je peux rien... Enfin, j'espère pour vous, mais je ne sais pas si... Elle devra, ça, à mon avis, ça va se faire petit à petit. Bon, avec le temps, elle va l'accepter. Je pense, j'espère. Non. Mais je crois que il va peut-être aussi perdre sa fille avec tout ça et je sais pas comment elle va réagir. Elle comprendra, je sais pas. Un jour, elle comprendra. Ouais, peut-être. Ben, j'espère pour vous. C'est pour ça que j'ai attendu aussi. Bonsoir. Est-ce que tu penses que tu vas savoir assumer un rôle de belle-mère avec ta meilleure amie? Pour moi, c'est pas le rôle de belle-mère, ça reste toujours ma meilleure amie. De toute façon, il n'y aura pas de rôle de belle-mère parce que je ne veux plus les voir. Donc, Mais si, tu es sa meilleure amie. Évidemment. Moi, j'aimerais savoir ce que tes parents pensent de ça, quoi. Tout juste, quoi. Mes parents. Qu'est-ce qu'ils en pensent, quoi? Mes parents, bon, ils sont pas encore au courant. Et tu comptes leur dire ça quand? Ben, je vais leur dire, j'espère, avant que l'émission sera diffusée. J'espère pour toi, quoi. Okay. Je vais leur annoncer, mais fallait que ça se sache. Et j'ai préféré l'annoncer à Véro d'abord. Ouais, bah merci, hein. C'était vachement intime. Je suis tout à fait d'accord avec le couple. Parce que je trouve d'abord que c'est un couple charmant et qu'elle soit un peu plus jeune, ça n'a aucune importance. C'est l'amour. Et je ne dis compte, pas ça parce que je suis plus âgée que vous tous, mais c'est comme ça, quoi. Moi, je trouve qu'il n'y a pas d'âge. Merci, madame. C'est dommage parce que vous êtes la fille et que vous ne l'acceptiez pas. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est que moi, mon problème, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question que c'est mon père qui couche avec ma meilleure amie. Là est le problème. Oui. Là, je m'en fous. Non, c'est ton père qui aime ta meilleure amie. Arrête de dire qu'il couche avec ta meilleure amie. Le problème, c'est qu'elle coup, aurait peut-être... Avec, elle de faire semblant. Vous auriez peut-être dû lui avouer un petit peu avant. Avant, oui, bien sûr, mais... Je sais que c'est dur, hein, mais bon... Mais justement, je vous ai dit, elle nous aurait dit, c'est une passade, tu vas voir, c'est une histoire de cul. Oui, et peut-être voilà, qu'à alors ce moment-là, elle aurait vu que ça durait. An. En tout voilà. cas, vous êtes super. Merci. 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 Voyez-vous, Jean-Pierre, ce qu'il y a de merveilleux avec le public et avec donc ceux qui nous regardent, c'est que, quelles que soient les histoires, quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelqu'un qui sait vous regarder un peu différemment, avec un regard qui fait un peu plaisir. Et ça aussi, peut-être, c'est sympa. Merci à vous.